Donc, on a B qui sert à rien à sauter, X taper, Bah, Y je c'est pense pour que si, ça flamboyer. servira un peu plus tard parce que apparemment il y a du sort, il y a des trucs. Ah, mais celui-là, c'est pour l'instant, ça sert à rien, quoi. Ouais, Enfin, L c'est pour se protéger, et puis LT c'est pour se protéger, et RT ça sert à rien. Voilà. Donc, mais il est vas-y, vas-y. mort! Tiens, dans ta gueule, gobelin. Ah, d'accord, j'ai Yeah. acheté un truc comme ça, ok, d'accord. Oh, ce combo en l'air, oh, ça arrive. On peut vraiment jungle avec les ennemis? Oh, c'est content de péter. La ville paraît déserte, d'une ville de merde. Tout y a un feu et un sang. C'est la fin du monde. J'aurais trop kiffé qu'ils disent Sheldon. Le maire Sheldon a sans doute fait son travail. Le Mais c'est bon ça, bouclier, je savais, j'ai utiliser le déjà dit. bouclier. J'avais déjà dit ça. LT c'est pour se protéger, ça se voit avec le mec qui met le bouclier devant donc. Merde, j'ai cru, je me disais pourquoi mon perso il avance alors que je lui demande de taper, mais en fait, ton perso. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup hein, par la coupe de Tiens, dans ta cheveux. gueule, RKO! Ça me rappelle la vieille vidéo, tu te rappelles avec Randy Orton qui fait des RKO partout. Il chope un mec sur un ascenseur et lui fait faire un RKO. Tu te Oula! rappelles le truc? Oh la vie qu'il a perdu quand je lui ai tapé dessus! On m'a fait 20 le naga après, mais bon. Quoi? Ah putain, je voulais le contre. Putain, mais je veux le contre-brain, mais. Ah, tu fais quoi maintenant? Elle se retourne! Merde! Viens ici! Retourne pas surtout! Laisse-moi te taper! Tiens, dans le cul, hop! C'est moi ici, Regen! Ah non, sinon on lui fait quasiment aucun dégât en fait! Même quand je charge mon coup, je lui fais aucun dégât, c'est une rigolade! Mais... Putain, je le Je crois tape, qu'on est censé mourir là! Je crois qu'on est censé. Ah, mais tu fais que 3, points de... 3 ou 4 points de dégâts, Nico! Même quand je charge mon coup à fond, je lui fais quoi? Je lui fais 60 points de dégâts, ça lui retire rien! Ça lui tire rien en PV! Allez, approche! Bon, ah ouais, tiens, c'est une traite, en vrai, je peux te pousser. Vas-y, Nico, mets-le dans Non, la je veux pas y gueule! aller! Ouais, mais il va arriver quelque chose, vois, tu vois. C'est avec Je toi, m'en fous, je vais. Prochaine, quoi Ou qu'il alors, il y a Captain arrive! Planet qui va arriver et qui va dire: vous polluez trop! Et puis, il va sauver les miches avec les pouvoirs des planétaires. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu passes le texte, tu lis même pas les dialogues, tu prends pas les couilles. À Tu veux quelques semaines juste plus tôt. taper, taper, taper! Bah, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas, quasiment passé aucun dialogue en vrai. Hein. Bah si je t'ai vu passer, moi j'ai même pas appuyé, quasiment pas appuyé. Le truc, je voyais passer les trucs. Bah, c'est pas moi alors. Bah Après, moi c'était non. toi depuis le début qui le faisais. Bah non, regarde, là j'appuie juste sur A, une Ah, fois. non, moi je pensais que c'était toi moi depuis le début qui passait les trucs. Bah non. Je vois passer, bah je suis vraiment, oh, ils s'en foutent du signal, j'ai tapé des trucs. Après, Bon, c'était toi moi depuis le début qui appuyais dessus. Moi j'appuie sur rien. Depuis le début, j'appuie sur rien. Ah si, quand on jouait. Mais Ah oui, voilà bah... quoi. Mais sinon, non, j'appuyais pas quoi. 18 ans, je trouve ça illusoire de croire que les gens attendent 18 ans. Et quand je pense qu'avant c'était 21 ans, tu te rends compte, toi? Une fille à 20 ans, ou un homme qui avait 20 ans, ils avaient un rapport sexuel, ils étaient considérés comme trop jeunes, mineurs, et du coup c'était de la pédophilie, tout le tralala, tu te dis, ah vache. Non, mais c'est juste que ça me faisait rire, hein, parce que on croirait qu'en France c'est bien, machin, tout ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était 21 ans, hein. Faut pas croire, hein. À l'époque de vos parents, ou de vos grands-parents pour les plus jeunes, hein, c'était 21 ans, hein, faut pas croire. Hein. La majorité, c'était 21 ans, et c'est la sexualité, c'était 21 ans aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Avoir la majorité à 18 ans, c'était pas si répandu que ça. Hein. C'est pas si longtemps que ça hein, qu'on est majeur à 18 ans, nous, en France. Hein. Faut pas croire. Hein. Et Parce que c'est un j'allais dire, je suis garçon dans le monsieur. Parce que garage, moi, on a été posé sur le à part pendant cage. les combats, après, je dis pas peut-être que quand il y a les mecs qui sont arrivés, au départ, j'ai peut-être poussé quelques fois sur le X parce que pour attaquer. Mais sinon, je touche pas au truc, moi. Même quand t'étais parti là faire un truc, le texte a pas bougé, hein, parce que moi, je touche pas au texte. Je me suis dit, comme ça, si j'en veux le lire, et toi, tu le lis en même temps, voilà quoi. Si Avec jamais. un... Peut-être qu'en profondeur, il y a plus de pièces et c'était un manoir qu'ils ont, hein. Parce que de façade, déjà, d'avoir. Un étage présenté comme ça, en mode manoir, en mode Resident Evil 1, là, avec un éventail qui part à gauche, à droite, avec plein de pièces en haut et tout, là, et puis sur le côté et tout, là. Faut déjà avoir un peu de pognon hein, pour avoir une maison comme ça, Nico. Hein. Après, moi, je dis ça, je connais pas trop, je Bah, me connais pas en immobilier, hein, mais. vu comment est la Mais tronche c'est pas commun, ça de veut la dire. maison, si Bah, l'intérieur, en tout cas, ça a t'as l'air des d'être maisons bon. qui sont hyper grandes et qui vaut même pas dans les 10 000 euros, hein. Les objets peuvent être vendus chez le prêteur sur cash de la ville, Après, ça, Give. c'est sûr que le terrain, des fois, il vaut plus que la maison elle-même, ça, c'est clair. C'est suivant là où t'es. Enfin, ça dépend de beaucoup, beaucoup, Oh, beaucoup, regarde beaucoup, un beaucoup de choses. artefact.
Là, tu me dis que le mec, il aurait ça, il se fait 800 euros, là. Je te dis, Nico, tu te fous de ma gueule, là. Ouais, mais là, il est marqué pour ses professeurs, donc le mec, il a, je sais pas combien de thunes et autres. C'est pour ça. Bah, regarde la hauteur, le mec, il a trois cheminées et tout. Ah non, c'est déjà pas, c'est pas un pauvre, le mec, qui habite là. Hein. Là, c'est de rouquin. Hein, ouais, je sais. C'est quoi ce jeu? Les termes qu'ils utilisent, ça. Oh putain. Wesh, ils font des bêtises. Ouais, ils font de la drogue. C'est des rouquins. Mais ils sont beaux, ils s'en foutent quoi. Moi, je serais la boîte, je leur défoncé la gueule déjà. Attends, c'est écrit quoi? Ah si, c'est marqué. Eh, j'aurais trop kiffé, c'est ce qu'ils disent. Ma sœur, bah ma sœur, elle est toujours en Lorraine comme d'habitude. Bah pourquoi tu me parles ma sœur? Cette gueule a pas compris. Ta gueule. Attends, ouais. C'est comme dans, c'est comme dans le dans là, du peuple. L'autre te dit, bah qu'est-ce qu'il fait? Il se fout de ta gueule. Astérix et Obélix, il se fout de ta gueule. C'est pareil. Ça m'arrête tellement de rire. C'est pour ça qu'on est le meilleur. Artiri, Obélix, hein? Artiri, Obélix. Il se fout de... Qu'est-ce qu'il raconte? Il se fout de ta gueule. Ça, c'est trop... Je vais me caricader. Hop. Je vous le dirai jamais assez. Du peuple, là, c'est... Le sang est renversé. On s'en fout, on est immortel. Je suis une fille bien solitaire qui se fait renverser par des voitures, pas par des hommes. Hein. Je crois que quand j'avance tellement vite qu'il n'y a pas de voiture, du coup, qui spawn. Les voitures, faut qu'on soit plus proche, quoi. Oh, j'ai sauvé la vie, là. J'ai ouvert la porte au moment où tu t'es téléporté dedans. Elle est bien bonne, elle. Ah, les jeunes de nos jours. Qui vont y préférer? Après qu'ils soient pas habillés, ça me dérange pas. Du moment que les parties prominentes sont masquées, moi, ça me dérange pas. Attention, tout est masqué, je vais te dire. Pour certaines filles que tu peux croiser dans la rue, c'est encore un débat. Hein. Oui, en bon, mode, ça, liberté aux femmes. Je m'en bats les couilles. Hein, les meufs, elles s'habillent comme elles veulent. Voilà pour ce jeu. Hein, mon opinion ne regarde que moi. Faut respecter les autres aussi, quand même. Hein, ouais, là, tu, vois, bon. Elle sort comme ça va. Au moins, elle est pas à poil, tu vois. Encore, ça se voit. Certes, ses bras sont à l'air, on voit ses hanches et tout comme ça, mais c'est pas des genres, sa sexualité qu'on voit, quoi. Ça n'a pas la poitrine à l'air, elle voit pas sa chatte et son cul, parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner non plus, quoi. Déjà vous ? Oh putain, pourquoi j'ai pas déjà vous, là ? Pourquoi je l'ai pas, là ? Non, c'est copyright, là. Mais non, mais moi, je le garde en version accélérée. Ah oui, si tu l'avais. Mais toujours en x5, je le sais, la première fois que je l'ai mis, je me suis fait... Bah tu peux remonter dessus, moi. J'ai un droit d'auteur. Bah je crois pas, non, on peut pas, non, merde, fais chier. Bon bah sinon, tu l'auras tout à l'heure, alors. Quand on le reprendra, je le mettrai... Non, mais moi, ce que je fais pour m'improviser, je prenais la musique, et en fait, quand j'allais à l'époque sur Filmora, tu sais, j'accélérais le truc et je la prenais comme ça. Du coup, quand c'est en x1.5 ou x2, c'est pas reconnu, en fait. C'est la même musique, mais sauf qu'elle a la version accélérée. Faut qu'on le retrouve. Bah, tu crois quoi? L'intro, là, que je me sers de temps en temps, c'est très rarement sert. Mais quand je m'en sers, bah c'est une musique qui est copyright, mais pourtant quoi, je me fais pas copyright quand j'utilise. Parce que j'ai monté la vitesse à 1.20. Moi, celle que j'utilise, elle est mise juste en... C'est juste un message qui met, c'est pas un avertissement, mais... Je me prends les couilles, hop, jamais. Ouais, bah, en gros, petite astuce pour les gens, après vous le faites ou vous le faites pas, mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que... Pour pas altérer la musique, enfin pour que ce soit presque à la vitesse d'écoute normale, mais pour qu'elle soit assez accélérée, pour pas que le robot le reconnaisse et que vous êtes en droit d'auteur, vous mettez souvent en 1.20, donc en 0.20 plus rapide, 0.2 plus rapide, ou 0.2.5 plus rapide, enfin 25. Et en général, ça passe, vous faites pas avoir. Enfin, c'est juste un petit tips comme ça, je vous donne. Du coup, la musique, vous sentez qu'elle a un petit truc, elle est très très légèrement au-dessus, mais c'est comme si vous l'écoutiez en 1.0, quoi. Clairement. Sauf qu'elle est en 1.25. 1.25. Petit type de streamer, ouais, alors, que je vous donne. J'ai pensé qu'on peut cacher les trucs bizarres, mais je sais pas. Et quand déjà vous, je me suis fait avoir la première fois, bah du coup maintenant je la fais en 1.5 et ça passe aussi. Puis comme c'est un son qui est très très rapide de base, même si tu l'accélères, bah ça fait toujours aussi drôle en fait. Non, moi attends, les musiques que j'utilise. Certaines peuvent pas trop passer avec Ocean Twitch, mais là maintenant je vais utiliser un autre truc là qui sont vraiment des musiques libres de droit. Ah bah sinon, moi, toutes les musiques, couilles, moi, à part pour la rigolade, déjà vous que j'utilise souvent. Sinon, le reste. Depuis tout ce temps.
Parce que j'ai envie de remonter sur ce scooter pour faire le con dans la ville. C'est pour ça que je dis ça. En fait, là, j'ai même pas envie de savoir ce qui arrive au docteur, au professeur, là, j'ai trop envie d'aller sur le scooter. Et puis, alors que le pote est dépensé du gobelin. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est pour ça, on se retrouve là-bas et puis on va devenir des héros de RPG, c'est ça. Ah, c'est ça l'histoire de qu'on se retrouve dans un monde avec des épées tout le temps. Ouais, c'est une épée. Non mais à chaque fois ça me fait rire, c'est à chaque fois, oui mais les hommes, s'ils aient mis les épées pour combattre, c'est parce que ça avait une forme phallique, mais t'as obligé de dire, en même temps, tu faisais comment pour avoir une autre arme que ça, parce que d'autres armes c'était pas très courant, se battre avec une fossile par exemple. Tu sais qu'il existe une épée, c'est qui tangue, on a l'impression que c'est une épée de merde qui tangue, mais en réalité c'est une arme super dangereuse utilisée à une certaine époque. Elle faisait... Tu parles des armes qui... Enfin, la mandoulée, tu parles? L'arme ondulée, ouais, je crois qu'elle s'appelait comme ça. Je sais plus comment. Qu'est-ce que c'était comme arme, mais il y en a plus. Il y a plusieurs mecs qui en parlaient, soit sur YouTube ou dans des articles que j'avais lus, que c'était une arme extrêmement dangereuse, en fait. Ah, c'est le langage du jeu, on le précise. Hein. C'est pas nous qui parlons, c'est vraiment le langage du jeu. Hein. Donc, ouais, après, c'est toi qui choisis la réponse aussi. Non, là, non. Moi, j'ai marqué fuir, non, et j'ai pas. Que ça. Ouais, c'est le langage des persos, les développeurs ont pris une certaine liberté là. Non. Parce qu'on avait, on va pas fuir devant des mondes, pas chier. Justement pas essayer. De toute façon, je veux dire, vu que le portail il est ouvert, les mecs ils peuvent rentrer n'importe quand, apparemment. Moi, les noms trop longs, c'est chiant. Bah, en fait, c'est Dwarf et puis Goblin. Dwarf, c'est comme les nains, et puis Goblin, ça se pense Goblin, comme ça s'écrit. Et les cassinés aux cheveux rouges, chef. Et les. Bon. Baston. À mort. Comme dirait le barbare. Dans la gloire, dans une gloire. Allez, tiens, dans votre gueule. Je vois pas mon perso. Ça va trop vite. Allez, dans votre gueule. Voilà. T'arrêtes de lire? Hein? T'arrêtes de lire? Oh, tu vois, plus tard, tu lisais les paroles des mecs, ils disent plus rien. Là. Oh. Non, mais c'était pas obligé, hein. C'est comme tu veux. Le gros balai s'est tiré. On a vu ce qu'il faisait à ses hommes. Pas d'une qui t'entend. Les méchants. Les méchants. Oui, c'est lui. C'est le méchant. Le mec, il manquerait juste un brassard et c'est bon, quoi. Et avec un logo différent, et puis vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le mec, c'est vraiment le méchant. Si on me dit, genre comme dans la vidéo de JDG en mode avec Ganondorf qui est gentil, comment tu veux y croire? Regarde le mec comment il est vénère. Hein. Et son gros casque de viking, le mec, on dirait qu'il est en train de casser ses accoudoirs, là, qu'il est vénère. Parce que tu voudras tout ce que je peux t'offrir. Peu importe les crimes qu'il commet, hein, c'est un gentil quand même, c'est juste que, voilà. J'ai été avec des rebelles, Balduin ne veut plus masquer sa volonté de nuire la pierre pressante. Et vous, les serpents, et toi, comment osez-vous? J'attendrai, retirer tout en centre. Les troupes ne devraient plus tarder à arriver, alors je vous souhaite une agréable journée. Bah, attaquer, se protéger, et puis esquiver, quoi. Ouais, mais esquiver, sur une manette, c'est pas aussi simple. Tu sais, ils sont répartis d'une certaine manière. Bah, t'as tous les touches en moins qui sont à portée. T'as le A, le X là à côté. L'esquive, c'est avec ton index, normalement, si t'as la touche sur la gâchette. Enfin, sur la touche sur le côté. Enfin, t'as tout, en fait. En gros, moi, je trouve que c'est plutôt bien adopté. Là. Ils ont pas mis genre. Le bouclier sur LT, X pour taper, ça d'accord. Y là pour. Normalement, ton pouce, tu le mets entre AX donc pour sauter puis pour taper. Après, t'as ton index, tu le mets au niveau de RB, puis ton autre index de l'autre main, tu le mets sur LT. Ah mais après, on fait pas la même main que toi. Hein. Mes mains sont petites, on veut dire. Bah, j'ai pas des grandes mains, moi. Hein. Oh, parce qu'ils ont dû faire en genre. Ouais, mais c'est cliché que le mec ce soit un bourrin, puis la meuf ce soit la petite fille tout gentille, du coup, ils ont fait l'inverse. Là. Ils ont fait en sorte que ce soit la fille, entre guillemets, qui soit la grosse bourrine, et puis le mec qui réfléchit un peu. Enfin, qui soit un peu moins, on va dire. En général, c'est cliché, c'est la fille intelligente qui réfléchit,
Et puis à côté, t'as un mec qui est en mode moi tout cassé. Et puis il a pas de cerveau, c'est des gros bras quoi de la team, tu vois. Et du coup, ils ont voulu changer, je suppose qu'ils font ça souvent maintenant dans les jeux. Hein. Ça fait au moins une bonne quinzaine d'années qu'ils font ça maintenant. Parce que sinon, après, les gens ils se plaignent que c'est cliché. Mais bon, c'est pareil, hein. Bah, c'est pas cliché aujourd'hui de faire une fille qui est bourrine, qui a pas de cerveau, et puis de faire un mec qui réfléchit maintenant, tu sais, c'est aussi cliché l'un et l'autre en vrai. Pour pas trop de différence de ce point de vue là. Oh, de l'argent! Bah, on a même pas le temps de prendre les thunes! Les autres de changement de réacteur que j'ai invoqués pour vous attaquer. Là, je pense que c'est bien, de l'argent. Non, je les ai invoqués comme ça. Bah, je me protège pourtant! La qualité, quand ça se fait que tu prends les boules. Ah, peut-être que ton bouclier n'est pas. Ah, si, c'est bon. Bah, non, ça marche pas, non? Tiens, je la reprends encore. Ah, le bâtard! Le bâtard! Le mec il complimente l'attaque de l'ennemi. Oh putain, c'est beau, elles sont bien lancées. La vache. GG. Aïe. Pourquoi c'est toujours moi en plus qui vise? Oh là, c'était moi. T'avais plus de vie? Bah, 10 PV, non. Ouais. Ah, tu sais, je me suis bouffé toutes les boules de feu, hein. Je pouvais rien faire. Bah, en fait, faut attendre qu'il se fatigue. Tu sais, au premier round, t'en as eu quasiment aucune des boules de feu. C'est moi qui l'ai tout pris. J'ai mis le produit avec le bouclier. J'en ai deux qui sont. Qui m'ont cherché. Ouah, deux sur les 10 qu'il a balancé, merci bien. Hein, pour après, t'étais le plus près, donc. C'est qu'il y avait l'aggro. Bouclier de merde, t'as, je me suis vraiment pris 6 d'affilée dans la bouche là. Il a fait sort qu'il y avait un pouvoir. Et là, c'est toi le plus proche, c'est sur moi qui tire quoi, sérieux. Oh oui! Oui! J'ai envoyé sa boue dans la gueule! Vas-y, au pire, je me régénère, là, je crois, Nico, donc laisse-moi juste te donner, vas-y, continue, survie. Si je meurs pas, ça serait dommage. Ah, tu vois, regarde, toi aussi, ça te le fait. Mais des fois, pendant un temps, moi, ça me traversait autour, c'est trop bizarre, quoi. Trop zarde. Ah, mais même les boules du début, hein, je sais pas, ils passent à travers, donc c'est trop bizarre. Je suis une armée. On peut les tuer, en vrai, là, moi, ça me dérange pas. Hein. L'archive. Bah oui, ça, c'est un calculote. Un culotte, c'est tout quoi faire, ouais. Oui, un shorty, oui, c'est un shorty, c'est comment on appelle ça. Toute cette ta faute. Après, ça bête comme un. Ouais, c'est peut-être populaire au Japon, je sais pas, hein, mais ça date déjà pas. Peut-être, ouais. Hein. Bon, en général, c'est déjà populaire au Japon. Au Japon, ils donnent pas. Ils sont pas tout le temps avec des culottes, d'accord. L'habit traditionnel hein, pour les trucs de culottes. Non, mais je voulais dire un shorty, quoi. Oui, un shorty comme là. Je sais. Peut-être qu'ils dorment avec des shorties, les filles, hein, moi, je suis pas au courant du Japon. J'ai même jamais été au Japon, donc. Il dit défense au-delà de la croissance et j'en suis qui façonne notre monde circule en moi. Arrêtez avec vos trucs de merde, putain. Votre conversation parlait un peu mieux, merde, putain. Pareil des ados qui parlent. Et on va quand même le sauver, on va sauver son cadavre. Je vais traîner en ville jusqu'au coucher du soleil. Ce serait mieux que de devenir dingue ici, mais d'abord, on retourne voir le gobelin violet. Alors, cette bonne nouvelle. Ça s'appelle Baldwin. Mais je le savais. Voilà, le tiens, si vous me retrouvez de ma mort, hein, sinon on pourra établir un plan si je suis toujours en vie. Ah, tu vois, t'as déjà vécu, connard, ça sent ces scénarios. Encore, les empereurs, bon, voilà, il y en a plus aucun. Il les a déjà tous battus, donc bon, à part Shanks, donc tu dis, bon, bah. En vrai, voilà quoi. Tiens, tu vas pouvoir faire ton déjà vous. c'est moi où j'étais à droite et je suis reparti à gauche. What? Attends, on est bien d'accord ce que j'ai vu. Hein. Ouais. Enfin, je suis parti par là. Et là, en continuant, si je continue toujours tout droit, je suis pas la quête. Je vais repartir vers la gauche. Hein. Attends, on vérifie. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça a zéro sens. Hein. Bon, ça fait extrêmement rien. Ils ont fait des trucs en vert. On aimerait parler au maire. Ah non, c'est un maire. Oui, bah oui, on l'a vu tout à l'heure dans le truc là. Vous avez pas. Oui, quoi, les enfants vraiment. Tu l'avais répondu. Et ça ta soeur. Ça a passé le cas au corps de son monde. À tous ceux qui souhaitent le recouvrir le pave, s'il est libre. Il veut être à l'écoute de se constituer. Attendez, vraiment. Vous pouvez y aller. Merci. Ça se voit que c'est un truc de. Je crois que j'allais enfoncer la porte. Encore, non. C'est ça, vous avez. Rendez-vous que vous allez sortir d'ici immédiatement. C-O-N-A-S-S-E. Connasse. Pardon, c'est moi. Willy, appelez la police. Moi, j'ai dit pute, pardon. Eh bien, j'écoute mon ordinateur, alors qu'il vient de dire j'appelle la police. Bon, alors, il a dit dire, bon, je vais distraire un peu tant qu'ils arrivent. Il me fait penser au maître Agar. L'indication, on n'est pas des terroristes. Violence et vélo ou piste cyclable. On n'a jamais eu les pistes cyclables. Il y a juste la violence qu'il a eu.
Le trivial que j'ai vu dans le bus. Les gobelins, on doit parler des gobelins, et merde, hein, ils veulent nous prendre pour des fous. Ah, je crois que t'allais faire la blague sous le bureau, mais bon, ça, tu l'as pas fait. Bon, je dirais faire assez. Assez, j'ai dépassé mon quota sur ça. J'ai même suivi un de ses cours d'anthropologie une fois. Enfin, quand il enseigne. J'ai vraiment du mal à parler, bordel de merde. On ne voit plus devant ses élèves depuis qu'il est titulaire. Tout le monde le prend maintenant pour un excentrique, mais j'imagine que vous avez pour parler du programme d'asile. Merci pour votre logique, complet en vie. Honnêtement, on ne sait pas quoi faire. Fascinant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Honnêtement, j'ai une idée. T'as l'air, c'est un méchant. D'ailleurs, dites-nous. Dites que le professeur va tenir à se tâter l'enfui, c'est ça? On n'est pas encore sûr, mais vous pourrez croire qu'il se trouve là-bas. Après, le professeur m'a dit, plus le temps sauté, plus le portail nécessite de puissance. Je vais te dire, ça va presser le couillon. En gros, il va nous demander de faire des trucs. Ouais, oui, ah ouais, j'avais compris. En échange, pour qu'on devienne ses larbins, en échange. Pour pourra pas tenir encore. Il pompe trop lentement sur le système. C'est plus qualitatif et moins cher ailleurs. Venu du monde qu'on appelle des pierres runiques, certaines sont très puissantes. Oui, bah, ça, on avait remarqué. Et sinon, on n'aurait pas cette conversation-là. Là-bas, vous trouverez peut-être quelque chose pour aider le public à reprendre des forces. Mais sinon, il ne pourra pas grand-chose pour lui. En même temps, Je peux récupérer mes pixels aussi? Parce que là, je suis censuré comme une fille, parce que c'est une fille, c'est pour ça. Pourtant, je m'en pas mes reins, hein. J'aurais pas été censuré comme ça, mais bon. Ouais, c'est bon. Hop. Ah ouais, parce que c'est calé sur le premier joueur, d'accord. Ça se voit que le jeu a été fait pour un seul joueur à la base. Le mec, il traite la scouille. Bon, ouais, j'y vais à pied. Mettez-moi avec la tête, jeune, branché et révolté. Tu nous as pour des hippies. Tu t'es dans le bus, elle, là. Ouais, c'est celui qui dit de la drogue, là. Il paraît qu'ils se battent, ils vendent de la drogue ou je sais pas quoi. Là, non, ça c'était des mecs, ça. Enfin bref, elle nous a dit pareil qu'on était des merdes. Ah bon. De toute façon, ils nous ont tous insultés dans le bus, alors. On se penche des fringues. Bah quoi? Eh, les enfants, bah j'ai pas eu le temps, désolé. Sneakers. Oh, bah c'est pour les vêtements, laisse tomber. Les baskets, c'est pas une part pour de basket ça. En plus. Pour... Bah c'est plutôt plus, pour c'est... Le gamin, toi. Ah, et... c'est là, Pifit, c'est là. Ouais, bah c'est ici. Comment c'est le camion, chacun deux, c'est l'instant. Ok, d'accord. Alors, force, résistance, endurance. Résistance, après, c'est la force en vrai que je suis dans rad. Bah, moi après, aussi, hein, parce que là, pour l'instant, rester dans la zone verte. Appuyez plus vite pour pousser. D'accord, ok. Bah, let's go. Tu montes trop, Nico. C'est dans la barrière, faut que tu restes. Chacun son tour, le truc. Bah, apparemment, oui. Ah putain, c'est dur. Ah putain, la connasse. C'est chaud son truc. Bon bah là c'est toi. Bon, bah, je crois que je vais me spécialiser dans autre chose là, hein, parce que... Non, j'ai pas d'assemblée tout de suite. C'est chaud son truc, hein, quand même. Plus 2, yes. C'est tout, on avait qu'un jeton, je crois, non? Ouais. C'est simple, si vous voulez participer, revenez comme ça, non rien. Simple, non. Ouais. Ça, c'est des trucs... Là, tu pourras le dire, là. C-O-N-A-S-S-E. Connasse. Allez, let's go. La clé. Ça marche. Alors, je me spécialise dans d'autres trucs, parce que, putain, le truc de force... Ah oui, mais ici, j'appuie sur le truc, puis à un moment donné, ça voulait plus trop monter. Fait que j'appuie à fond, encore plus à fond. Et putain, c'est crevant. Ouais, en clair, je vais dire... un dérivé là de l'anime que j'avais vu il y a longtemps. Je sais plus comment il s'appelle le truc. Hein. Par contre. Ah, j'en ai aucune idée. Version. Je vais te trouver ici. On pense qu'il est en train de mourir. Oh bah faut retourner voir l'autre con. C'était dans un placement de notre partenaire, machin. Ah c'est pour les potions, ça, c'est pour. Quand tu réanimes l'autre. Enfin après tu peux te réanimer. Donc en vrai. Bon, c'est que c'est si utile que ça, les potions. En vrai, ça peut toujours être utile d'un point de vue pour éviter de tomber déjà une fois, parce que quand il y en a un qui tombe, si l'autre tombe aussi, ça peut être un peu plus embêtant, on va dire. Mais... Moi, je croyais que tu parlais que le mec était... Hein... Là, pour aller voir le mec, là, professeur Vitos. Je pensais que qu'il était dans le bureau, j'ai oublié que le bureau, c'était la pièce secrète. Mais il va falloir aller dans le bureau, il est pas dans le bureau, mais je veux dire... passer par le bureau, puis la pièce secrète, pour l'ascenseur, pour aller voir Baldwin. Voilà, lui là. Oui, pour ces qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, ce que vous avez récupéré, je peux trouver ça. Approchez.
Non, elle referme la ruine depuis ça. C'est pour une pour étendre la porte. C'est du portail lunaire. C'est tous les portes. Là, j'en ai pas mieux. C'est pour le Satan. Voilà. Sans grosse prise de tête, hein. Qu'il y a un scénar ou pas. Ouais, c'est hein. Allons par là. Satan, tant mieux. S'il y en a pas, il y en a pas. Quoi. Il a réellement pris Roger pour Roger, qu'on l'appelait Roger en fait. Ça se prononce pas pareil, hein. Ça s'écrit pareil, mais ça se prononce pas pareil. Donc. Si techniquement il parle, l'autre il fait « Ok Roger, je m'appelle pas Roger. » Ah ouais, quand je charge mon épée, je one shot presque les adversaires. Ça se prend là. Mes coups de base, là, ils sont balèzes en vrai. D'accord. J'ai l'excuse, ok. Pas de rentre de moi, tiens. Ah, une pévresse. C'est quoi? Je sais pas, il y avait pas autant de trucs tout à l'heure. Ouais, mais là, c'est parce qu'on commence le jeu. Hein. Ouais, c'est-à-dire, on commence à avoir enfin du loot, là. Ouais, bon, bah, au bout d'un moment, faudra moins faire embêter. Ah, d'accord, et si à chaque fois on récupère un truc, ça fait un truc comme ça. J'espère que c'est juste une fois pour la première fois que tu vois l'objet. Si ça va vite devenir chiant. Ah ouais, en deux coups j'expose les mecs. Ah, ça restaure pour les deux. Ah ouais. Ah oui, en effet. Oui. Un coup je les ai mis à trois quarts de leur vie. Oui. Surtout je me suis équipé. Tu t'es pas équipé, t'es resté agile toi. Moi j'ai pris le gros costume, le casque, un renforcement avec mon arme là. Je sais pas, moi j'avais pas ça moi. Et toi oui. Moi il y avait plein de loot, du coup je me suis équipé hein. Oh là là, comment j'ai ralenti le temps, trop fort. Ça donne quoi? C'est quoi les cristaux que ça donne? J'ai pas bien vu. Je l'ai fait, mais ça m'a filé des cristaux, mais je sais pas ce que ça a filé. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, je vais en prendre un petit peu, comme ça on revient. Il me l'a mis dans le cul. Je l'ai fait deux fois. Ouais, j'en peux pas un de te reste, si. Oula, tu me fais le truc où là. Ah, par contre, ça bouffe des trucs, si tu rends des vies. C'est-à-dire que tu veux pas tomber à l'infini. Après, on a plus de vie. Donc, on va pas se ressusciter à l'infini comme dans Tortue Ninja ou les trucs comme ça. Oh putain, je t'ai surpris. Ah, il y a aussi des pièges. Donc, ça. C'est pas mal. Ah, pour une fois, c'est moi qui dépense. C'est moi qui me fais le plus engueuler dans l'histoire. À chaque fois. Alors, ça, c'est un truc que j'aimais pas sur les beat'em up de l'époque, ça. Les mecs te mettent des coups dans la bouche, tu prends des dégâts. Et puis voilà quoi. Putain, c'est tristesse quoi. Je tape, je vois que je tape, et puis je prends le voix, le mec il prend pas de ses dégâts. Je crois que c'est un petit bug, pourtant je rebouge, mais. Il y a rien eu quoi. Franchement. Terminé. De toute façon, l'or elle avait partagé, je suppose, non? J'en sais rien. De toute façon, il est pas censé y avoir de deuxième joueur, donc logiquement. Je crois qu'elle est. Ah. Ouais, mais non, c'est pas un roguelike. Roguelike, c'est l'aléatoire à prendre en compte dedans. Là, il n'y a pas d'aléatoire dans le jeu, là, à mon avis. Ça va être fixe. Parce que moi, le roguelike, pour moi, une des choses les plus importantes dans le roguelike, c'est que le truc soit aléatoire. Hein, ouais. S'il n'y a pas d'aléatoire, c'est pas un roguelike pour moi. Bon, moi, j'appelle ça roguelike parce que c'est des chemins qui sont. Ou plutôt un. Mais... Comment on appelle ça? Un métro. Metrovania ou un truc genre, je crois qu'on appelle. Ah non, c'est que du backtracking, c'est pas du tout dans le même genre. Bon, la trad française, par contre, elle est plus un peu. Il est plus gros que les autres. Ça va vite, j'apporte votre tête. On va surtout t'apporter la tienne, ouais. Aïe, merde. Ah, pourtant, j'appuie sur RT. Enfin, RT, ça se passe pas. Tiens, allez, je te pars. Ah oui, c'est juste qu'en fait, tu le pars, mais il n'y a pas de ralentissement, ok, d'accord. Le mec s'en fout, ok. Ouais, mais la résidence sur la parade, c'est marqué au-dessus. Ah, mais c'est qui? Ah, merde, c'est moi. Je vois pas. J'ai un tout petit truc, moi. Bah, ouais, je me suis pris trois coups, moi, je suis mort. Parce que j'avais pas vu que c'était marqué la parade, tu l'aurais pas dit, j'aurais pas vu. Mon écran est trop petit, Monico, perso. Ah, il continue la mince, j'avais pas fait gaffe. Ah bah, je pouvais pas voir. J'ai préféré profiter du fait qu'il soit au sol pour 13, en fait. Non, mais la parade, il s'arrête pas, Nico, en fait. Même si tu pars, tu gagnes même pas de boule blanche. Et encore en plus, tu il s'arrondit pas ses coups, en fait. Tu sais, tu prends en tarif, quoi. Et puis l'esquive, elle marche pas. Je suis pas un grand fan de l'esquive, hein. Non, je. Clairement pas. Certes, j'ai esquivé, j'ai pris des dégâts quand même. Ouais, l'esquive, elle est un peu nulle à chier dans le jeu. Hein. J'ai beau bourrer deux fois l'esquive au moment où il attaque, y'a aucune des deux paroles des trucs qui vient.
Que... Bon bah, fini. Ou alors il faut laisser de la protection pour voir si ça marche. Mais à mon avis, comme il cherche, ça va pas passer. À travers, je suppose. Là, je me suis protégé, ça va pas passer. Là non plus. Là, c'est passé, mais j'ai été étourdi. Ouais, franchement, c'est de la merde. En fait, le problème, c'est que je comprends pas les systèmes de protection qui marchent jamais ou qui font de la merde. Sinon, après, il y a l'esquive aussi, mais le problème, c'est que l'esquive, bon, quand t'es lourd, bon, je pense que c'est parce que je suis trop lourd. Du coup, l'esquive, elle voit rien, quoi. Après, tu peux l'assommer en lui mettant déjà un coup, Nico. Ah, merde. Ce qui fait mal, hein. Là, en l'idée, t'en mets un coup, il te tue. Hein. Enfin, moi, ça, il m'a mis un coup, il m'a tué. Un seul coup pour me tuer. Et toi, il te reste 2 PV, t'as eu de la chance. C'est 2 PV. Bah, je fais quand même mal, mine de rien. Bah, bon courage, et sers-toi de tous les cœurs, et essaie de le tabasser. Putain, mais. Eh, moi, c'est un truc de fou, hein. En un coup, il me pulvérise, quoi. Bah, GG. Ah, bah, je peux plus t'enlever. Oh la vache! Ça, en attendant, j'ai un espèce de trouver dans cet esprit. Bon, je pourrais me pousser, mais je suis pas un grand gars. Et je pourrais fabriquer les arts, si vous pouvez être sort. Et un président, maintenant, on va vous y. Et vous le trouverez au marché Coblin. Bah, si! Là, c'est linéaire, t'es obligé de faire le niveau 3. Admettons, si on voulait le niveau 4, on pourra pas, là, tu vois. Si vous avez le niveau 3. Parce que tout le reste est verrouillé. À mon avis, justement, il faut avoir la clé du niveau 3 qui va déverrouiller le niveau 4, etc., etc., je pense. Non, maintenant, je joue le jeu du beat'em up classique. Si tu mets des coups, quand le mec il est au sol, genre, tu descends juste d'une ligne, comment on appelle ça, enfin, que j'appelais ça, en... je sais pas comment on appelle ça dans le jeu vidéo lui-même, mais en gros, tu bouges de ligne pour pas être au même niveau de la ligne que le mec. Et puis hop, c'est bon. Comme ça, le mec est obligé de bouger, descendre une ligne ou la monter suivant si t'as monté ou descendu. Et on est sûr que tu prends pas un coup perdu, quoi. C'est temps, hein, les tables et les chaises. Hein. Tu peux casser 100% des objets dedans? Je suis pas très bien fait attention. Non, pas tout, genre les trucs en métal, apparemment, tu peux pas les casser. Moi, t'es trop long, désolé. Ah oui, ça téléporte ça, pute. Ça téléporte ça. Ouais, parce que là, la plateforme était pas top top, hein. Alors, déjà, contre les autres 3 mecs qu'il avait avec lui, c'était déjà casse bonbon. Bon, ça va, il attaque pas lui de loin. Enfin, il attaque de loin, lui, c'est un archer. Ça va. Sans tête pas casse bonbon. Bah, attends, j'ai utilisé une potion pour régénérer ta vie, ça t'a pas régénéré. J'étais peut-être pas trop pas assez près de toi. Eh bah, je suis même pas sur la même ligne que lui, quoi, c'est marrant. Oh là là, les lignes, hein, ils sont mal définis, les lignes. Par rapport à ce truc-là, quoi. Ah, il est vénère, là, je vois. En mode vénère. Là. Il est là-dessus, c'est ce qui c'est un peu. Mais non, mais t'as pas récupéré non plus les cœurs que j'ai récupérés là, toi. C'est mardi qu'à ce point. Oh merde, putain! Ah, mais je peux être pareil, trop loin, mais des fois j'ai du mal à suivre mon perso en fait. L'esquive qui va pas passer, je m'en doutais. Endurance faible du coup. Forcément, bah, casse-toi de là, toi, que je puisse raise. T'es content, voilà. Tac. Je suis en bas, visuellement, bon, au secours! Et encore, parce que si moi je faisais pareil, je touchais, ça marchait, mais ça marche pas! C'est ça qui m'énerve, c'est que moi quand je tape à ma hauteur je touche pas quoi. Moi je suis même pas. Merci le fait que ce soit que le joueur qui soit suivi. Hein. Merci bien. Ouf. Hop, il avait là un demi-boss aussi. Ils sont deux maintenant. Oh. Enfin, il avait trois barres de vie. Ah, en l'air, il me chope en l'air. Ah, t'as plus de cœur même. Non, laisse tomber là, tu vois. Ouais, par contre, c'est un peu chiant aussi. Ça, quand t'es en l'air, il peut te toucher. Bon. Ah, tout à l'heure, c'est ce qu'on avait fait. Il y en avait un en l'air, on sautait et il nous touchait. Hein. Ouais, bon. Changer d'arme, hein, parce que la hache, elle est bien, mais. Elle est un peu lente. C'est pour ça que j'ai changé, moi, je me suis barré. Ouais. Moi, c'est encore la délimitation de là où est les trucs, en fait. Je suis encore un peu. Les lignes, elles sont pas encore bien. Si c'est... J'ai l'impression que t'as un avantage quand t'es. Quand t'es en bas, en fait. Quand tu montes, t'as plus d'avantages que quand tu descends, j'ai l'impression. Mm. Quand tu descends, au moment où tes pieds, en fait, au niveau de la tête du mec, en fait, on dirait qu'ils estiment que t'es au même niveau que le mec, en fait. C'est très bizarre. Ça, c'est un problème qu'il y avait dans les très très vieux jeux, ça. Mais la parade de merde, là, pour protection, ça marche que dalle, hein, ça. On va se baser juste sur l'esquive. Ce sera bien plus efficace. Et en fait, je crois toujours... Je pense toujours attends, là, maintenant, je vais faire un peu de dégâts. Tiens, dans la bouche. Je vais le tuer avec les caisses. Casse pas les caisses, Nico. Casse pas les caisses, Nico. Je vais lui mettre dans la gueule, les caisses. C'est plus rapide pour le toucher. C'est des masses de dégâts en plus. Putain, mais je suis en combo sur lui. Je lui mets des coups dans le dos. Il a le temps de se retourner et de me mettre des coups, quoi. Sérieusement. Va chier, quoi. Ah, par contre, les potions, on s'en est servi une fois, mais ça sauvegardait. Du coup, on les a plus maintenant. Parce que techniquement, on reprend un checkpoint. On devrait récupérer le stuff qu'on avait sur nous. On est d'accord. Ah, mais c'est de faire gaffe.
Vas-y, 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 achève-le, 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 achève-le. T'as le temps. T'as le temps, ouais. Il reste même pas une seconde avant qu'il revienne à la vie. Enfin, c'est... Quand j'ai vu que je pouvais pas t'animer, je suis allé dire sur sa gueule tout à l'heure, le... Enfin, l'autre boss. Dès qu'il est en fait au sol, si tu le frappes, à ce moment-là, il meurt. Enfin, il meurt. C'est la connade, là. Ah, vraiment, côté. Donc, bah, tu vois qu'on fait quoi depuis tout à l'heure? Le mec, il l'a quand même appelé connerie, quand même. c'était pas. Avec tout ce qu'il y a eu déjà avant, les termes. Ouais, les pronoms, les trucs, machin. Ouais, je pense que si c'est limité juste à ça, c'est le seul truc qu'on a reproché au truc, c'est qu'il y a connerie dedans. Bon, c'est comme dire à quelqu'un, je sais pas moi, qu'a envoyé une bombe nucléaire sur un endroit, d'avoir dit, hey mec, t'as marché, t'as crié sur une petite fille, alors que bon, t'as envoyé une bombe nucléaire à côté, tu sais, tu dis, bon, ça n'a aucun sens. Parce que là, ils en sont arrivés à un point où, bon. Il avait pas laissé de truc, de loot là. À Brutiman, ah si, j'ai rien à ça. Une larme. C'est comme engueuler un mec pour une futilité alors qu'à côté il a commis des atroces quoi. T'sais. Putain des gobelins. Ah par contre là c'est marqué butin et calme. Ah bah du coup ça fait rappeler l'histoire de l'autre là, merde. De son empire quoi, il est tombé pour un truc de faute fiscale quoi, tu te dis ah bah putain merde. Le mec là, putain, c'est pas Pablo Escobar je crois, non, c'est un truc comme ça. C'est pas la faute fiscale qui est tombé ce con, c'est pas par rapport à un gang ou un truc comme ça. Parce qu'ils ont remarqué qu'il avait pas payé un truc ou je sais pas trop quoi, c'était sa main et... C'était pas plutôt Al Capone, peut-être pas? Ouais, Al Capone, c'était un des deux, ouais, je sais plus c'était lequel. Bah Al Capone, il est tombé par fraude fiscale, oui. Ouais, c'est ça, ouais, du coup c'est complètement con quand tu sais qu'il se fait avoir par le fisc en fait, tu dis, ça n'a aucun sens.